Supreme. Supreme, Supreme. Tout goûté qui blow. Espoir pour mon peuple. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce carrefour ? Depuis 1997 que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec ton carrefour ? Nous sommes menacés d'être soit licenciés ou replacés, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas, des infos pour savoir comment nous allons faire, comment nous allons nous diriger. Donc on attend les remontées, qu'on puisse venir nous voir, alors qu'aucun n'est venu autre que la CGT et tout le reste. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous informer, chacun de nous, parce que nous sommes à 8 ou 9 salariés. Donc on aimerait quand même avoir plus de renseignements vis-à-vis de l'établissement. Et on a parlé d'une date de fermeture pour ce carrefour, elle vous a été confirmée ? Oui, le 13 juillet, ce sera clôturé. Et si le carrefour ferme, qu'est-ce qui va devenir du centre commercial de Bagneux ici, à ton avis ? À mon avis, ce sera mort pour tous les commerçants, parce que c'est Carrefour qui ramène la clientèle, qui se patche dans les autres magasins. Donc c'est un magasin quand même qui fait des chiffres. Je me demande pourquoi ils ont décidé de fermer le 13 juillet. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir ? Ou soit ils vont, je ne sais pas, le reclassement, mais je ne veux pas être reclassé loin de mon habitation. Groupe Carrefour a touché des milliards du gouvernement pour l'emploi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, je trouve que c'est du vol. C'est du vol. Il faut bien qu'ils remettent ce qu'ils ont pris. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à toi. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous êtes devant le centre commercial Carrefour de Bagneux ce matin ? Ah, bonjour, moi je suis Laurent Lamoré, je suis délégué syndical CGT chez Carrefour Market. Donc on est devant le magasin aujourd'hui, c'est pour manifester contre la fermeture de ce magasin. Il faut savoir que ce magasin fait partie des 273 magasins que le nouveau PDG de Carrefour veut fermer s'il ne trouve pas de repreneur. Donc nous on manifeste la CGT depuis le mois de décembre dans de nombreux magasins pour dénoncer le fait que ces magasins, s'ils sont fermés, ça va supprimer des emplois. Et si aussi ils sont fermés, il y a toute la population à côté qui va ne plus avoir de magasins de proximité pour venir, notamment les personnes âgées, notamment les personnes qui n'ont pas de voiture. Donc là, tout à l'alentour, vous avez beaucoup de cités, vous avez beaucoup d'immeubles. Donc tous ces gens, ils ont besoin d'avoir des magasins comme ça à côté de chez eux. Et malheureusement, ils veulent en fermer de nombreux. C'est pour ça qu'on est là, qu'on manifeste. On fait signer une pétition aux clients. Alors ça, la pétition, on a appelé ça « Bompard rend les milliards ». C'est parce qu'il faut savoir que le groupe Carrefour a perçu 2 milliards d'euros d'exonération de cotisations salariales. C'est-à-dire venant de nos impôts pour créer des emplois. Et aujourd'hui, ils ont reversé ces 2 milliards en 5 ans, ils les ont reversés aux actionnaires. Et ils suppriment des emplois. Donc voilà, donc on demande, ça c'est une pétition qui est en ligne, et on demande à ce que tout le monde signe pour que M. Bompard, s'il continue à supprimer les emplois, qu'il rende les 2 milliards qu'il a touchés pendant 5 ans. Suprême, suprême, suprême. Tout goûté qui bloque. Espoir pour mon peuple.